Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vais vous demander votre prénom, monsieur, s'il vous plaît. Je suis Denis. Denis, enchanté, Denis. Enchanté. Je vais vous demander la région où vous habitez. J'habite dans la région PACA. D'accord. Et je vais vous demander votre âge, s'il vous plaît. J'ai 48 ans. 48 ans, d'accord. Alors, Denis, votre question concerne quel domaine ? Alors, ça serait pour le travail. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder tout de suite déjà ce qu'on a à la coupe dans un premier temps. Et puis après, je vais faire directement la petite clairvoyance sur votre prénom. D'accord, Denis ? D'accord. Merci. Alors, on y va. C'est parti. Denis et le travail. On va regarder tout de suite ce qu'on a à la coupe dans un premier temps. Mais là, vous êtes pas en activité, là ? Je suis sans activité à l'heure actuelle. D'accord, ok. Alors, pourquoi j'ai la route sur vous ? Vous êtes appelé à faire de la route ? Non, vous n'êtes pas appelé à déménager ? Est-ce que je suis commercial. D'accord, voilà. Alors, D'accord, parce que j'ai la route dans mon jeu, donc j'ai le carrosse, donc ça veut dire la route. J'ai une signature. Moi, je pense que vous allez retourner du côté commercial, hein. Mais on a la force, donc vous avez quand même les appuis. J'ai le bien-être et j'ai toujours une activité où vous avez possibilité de gagner plus. Alors, on va regarder, on a le triomphe, mais vous serez appelé encore à faire de la route. Alors, on va faire Denis, on va regarder tout de suite dans la petite clairvoyance sur votre prénom. Alors. Bon, là, vous n'êtes pas en attente de quelque chose ? Vous avez fait des démarches ou pas ? Oui, complètement, oui. D'accord, parce que je vois appui, on avait 4 rois, hein, donc 4 rois, ça veut dire changement pour vous. D'accord. Et puis, on a un changement plutôt positif, mais on a la route derrière avec une possibilité de gagner plus. Hein. Donc, pour moi, ce sera un travail où vous avez la possibilité de gagner plus. Alors, je suis sur deux propositions, c'est pour ça que j'ai des difficultés à choisir. Alors, on va regarder, on fait Denis, d'accord, on fait la petite clairvoyance sur votre prénom, on va voir tout de suite. D-E-N-I-S. Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît, Denis, de 1 à 5. Le 3, d'accord. Alors, bon, la première pensée que vous avez, ça me dit 8 de pique. 8 de pique, ça veut dire que, bon, c'est pas vraiment, vraiment ça. Je pense que c'est la deuxième proposition. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est ça, Denis ? Oui, ça me parle. Parce que celle que vous avez à la pensée, il y a un problème. Alors, je sais pas de quel ordre il est, mais par contre, on a le bien-être par rapport à la deuxième proposition. D'accord. Hein, on a le triomphe, on a la protection. Hein. Je vous montre en même temps les cartes. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que c'est ça ? Ça correspond, hein, Denis ? Oui, ça correspond. Il y a deux propositions. Il y en a une où je serai plus sur la route, où je vais faire vraiment du commercial. Et l'autre, je serai un petit peu plus sédentaire et je serai dans la temps partiel. D'accord. Non, c'est plus celle, pour moi, où vous êtes sur la route. D'accord. Hein, donc, et puis, bon, on a la signature, là. Hein, vous êtes représenté par roi de cœur, donc j'ai la signature. Je vous montre en même temps les cartes. Donc, c'est quand même pas loin dans le temps, là. Hein, c'est relativement rapide. Hein. Ben, disons que j'ai un rendez-vous vendredi, alors. D'accord. Parce que on est plusieurs à postuler, je ne suis pas sûr d'être pris. Bon, apparemment, vous avez quand même des appuis, vous êtes épaulé. Il y a quelque chose qui vous a mis en confiance lors de... Il y a déjà eu un premier entretien. Téléphonique. D'accord. Moi, je pense qu'il y aura un autre entretien parce qu'on a signature, grande joie, et puis on a quelqu'un qui vous épaule dans tout ça. L'entretien, vous l'avez eu avec un monsieur ? L'entretien téléphonique avec un monsieur. Mais j'ai eu deux entretiens avec un monsieur aussi, quoi. D'accord. Alors, la première chose qui vous vient à la pensée, c'est non. Par contre, le travail, l'activité où vous faites la route, on a le triomphe, on a un appui, pour moi ça reste dans le commercial, et puis on a amélioration des finances, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Alors, grande joie pour vous, surprise, changement, puis après vous avez un projet. Écoutez, j'ai les 3 10 sur vous, 3 10, ça veut dire belle surprise, donc changement. Non, pour moi c'est la route, hein. Pour moi c'est le côté commercial là qui l'emporte, et puis on a la corne d'abondance quand même derrière. Donc vous retournez dans le milieu commercial, on en a les 4 10, on a une belle réussite, hein, qui vous amènera à autre chose après encore. Voilà, Denis. Alors, j'espère vous avoir répondu au mieux. Oui. Si vous voulez, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez me rappeler sur un 60 heures. Mon identifiant, c'est le 117.
D'accord. Mais vous inquiétez pas, le changement, il est très positif. Voilà. Mais c'est merveilleux, je suis très heureux. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Denis. À très bientôt. Plein de bonnes choses pour vous.